Bonjour à tous, troisième jour du festival, 7 jours pour le 7e art. J'ai beaucoup de plaisir, beaucoup de chance de recevoir Roland McDan. Alors, avant de vous laisser la parole, Roland, enfin, bonjour tout d'abord. Oui, bonjour, ça va? Alors, je disais beaucoup de plaisir parce que je suis sûr que vous ne m'en voudrez pas. J'ai l'impression que vous faites partie de ces acteurs avec une carrière très atypique. On vous a vu dans les one-man shows, on vous a vu au cinéma, à la télé, au théâtre. Vous êtes allé aux États-Unis, vous avez tourné dans des séries américaines. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, nous sommes très heureux de vous accueillir parce que vous savez qu'ici nous donnons des conseils aux comédiens de castingsurf.com. Et voilà, je vais m'arrêter là. Première question, quelle est la raison de votre présence à Colmar? Eh bien là, on a été gentiment invité par le festival pour présenter un film donc qui s'appelle Mise en bouteille au château, avec entre autres Gisèle Casadesus qui joue notre mère, puisque nous sommes trois frères, Michel Creton, Gérard Rinaldi et moi. Alors, on aurait tous aimé. Notre plus grand plaisir, ça aurait été d'être vraiment là tous les trois, parce qu'on s'est tellement éclaté en faisant ce film que c'était vraiment comme des collégiens. Mais bon, Michel Creton a sa maman qui lutte contre une grave maladie, donc il ne pourra pas être là, et Gérard Rinaldi qui lui est au théâtre. Mais en tout cas, ça a été. Alors c'est vrai que souvent j'entends les gens, les acteurs dire « Oh, ça a été un moment merveilleux », mais là vraiment ça a été magique. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas expliquer. Quelque part, on était très semblables, trois acteurs tout à fait semblables, l'âge à 5 ans près, on a tous le même âge. Et on a fait un petit peu, je pense, un film un peu dans le style d'un éléphant ça trompe, quoi. La vraie comédie pure, simple, sans chercher. Et on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec des gens. Gérard Rinaldi qui a un beau background, qui vraiment. Michel Creton aussi. Donc là, c'est Gisèle Casadesus, on n'en parle même pas. C'est-à-dire que là, c'était des gens. On s'est pas soucié d'arriver à prouver à l'autre qu'on était acteur ou de faire le mariole. On s'est juste dit on va s'amuser et puis ça s'est bien passé. Alors, je parlais à l'instant de vos multiples facettes d'artiste. Qu'est-ce qui explique justement tous ces talents et toutes ces facettes-là? Pour quelle raison? C'est une envie? C'est une envie de se diversifier? C'est juste du goût? C'est quoi? Bah, c'est du goût, je pense que c'est même un conseil à donner à tous les jeunes acteurs, c'est il faut tout faire. Même quelquefois on se dit oh, ce rôle-là, oh, c'est un petit rôle, c'est pas. Non, il faut tout faire. Quand Becker m'appelle pour faire un petit rôle dans un de ses films, j'ai plus de 50 ans, j'ai beaucoup de téléspectateurs, j'ai beaucoup de spectateurs derrière moi. J'ai vendu des millions de disques, mais quand il me dit, écoute Roland, il y a un petit rôle à faire, c'est une journée de tournage, c'est pour jouer un patron d'un bistrot, je dis merci Monsieur Becker et je fais le rôle. Et je crois que ça c'est le gros conseil à donner à tous les acteurs, il faut tout faire. Simplement, il faut essayer de faire bien. Alors, le one man show, c'est un métier formidable pour moi parce que ça me permet d'écrire. C'est-à-dire de faire un autre. Là, je suis rentré en écriture en ce moment. Et puis c'est un peu comme un enfant, je dirais que quand je monte sur scène pour un one man show, c'est comme un enfant qui se met à courir dans une cour de récréation. C'est-à-dire là je déconne, je m'éclate, c'est une soupape de sécurité. Alors que on sait que derrière une caméra, c'est beaucoup d'attente, c'est beaucoup de concentration. C'est pas le même jeu, quoi. C'est plus beaucoup beaucoup plus de tension. Par exemple, je peux faire un one man show après avoir fait 9 heures de bagnole et faire un one man show derrière. Grosso modo, je suis pas fatigué. Mais une journée de 10 heures de tournage, je rentre, je suis, mais ça, mais lessivé, quoi. C'est une manière d'apprendre le métier aussi. Est-ce que vous considérez que ça fait aussi partie d'une manière de se former à ce métier-là, se diversifier? Ah, tout à fait, parce que ce que j'apprends au cinéma, je m'en sers sur scène et inversement, je suis très très précis, de plus en plus précis sur scène, alors qu'on pourrait penser quand on me voit que c'est un mec qui court de droite à gauche, c'est jamais un mec qui court de droite à gauche, enfin il court de droite à gauche, mais de manière très très précise tous les soirs, sur le même mot, sur la même syllabe, et cette précision je l'ai apprise avec les années et avec la caméra, parce que la caméra, c'est sûr qu'à un moment donné, même si t'es génial et puis que tu tournes la tête, on verra pas que t'as été. Et en même temps, on peut pas jouer systématiquement non plus en cherchant une caméra. Donc il faut garder un naturel. Pourquoi les gens disent, oui, c'est au cinéma, hein, vous êtes vraiment naturel, parce que au cinéma, je me sers de ce que j'apprends au théâtre, c'est-à-dire être naturel sur une scène. Effectivement, la base, elle est naturelle. Donc les deux m'amènent, le cinéma amène à la scène et inversement.
L'écriture, vous avez toujours écrit ou vous avez commencé après, lors de votre carrière ou... C'est une passion aussi, à part entière? Exactement, c'est une vraie passion. Je dois dire qu'au départ, on ne voulait pas écrire pour moi, bien entendu, quand tu as 18 ans et que tu veux faire un petit peu de théâtre, il n'y a pas vraiment grand monde. Donc on s'est pris deux, trois copains, puis on s'est écrit nous-mêmes, puisque personne ne voulait écrire pour nous. Donc on a commencé un peu à la ramasse, c'est un peu passage obligatoire. Et puis après, on prend le goût de ça. Moi, je sais que c'est un peu. D'ailleurs, c'est curieux. C'est quand il commence. L'été, j'écris pas, par exemple. Quand il commence à pleuvoir, quand un machin, quand il commence à. Je rentre dans une espèce de coquille. Là, j'ai 15 jours. Je me dis, allez hop. Et puis, je m'immerge vraiment dans un autre monde. Et en même temps, quand j'écris, c'est comme si j'avais tous les gens devant moi parce que. Je me fais rire, j'essaye de me faire rire. En tout cas, il y a des passages où je dis oh là, ça je sais pas. Et puis il y en a d'autres où je suis comme certain, quoi. Les grandes certitudes, tu te dis là ça va se marrer. Après malheureusement, il y en a aussi beaucoup beaucoup d'endroits où tu écris et puis tu te relis le lendemain puis tu te dis. Alors après le grand vecteur, c'est le public et moi je par exemple je rôde mes spectacles dans un endroit qui s'appelle l'Entrepôt qui est pas loin d'ici. Une petite salle de 200 places parce que j'estime qu'on ne doit pas rôder de nouveaux spectacles ni de nouveaux textes devant 3000 personnes qui payent des sommes conséquentes, j'allais dire. Donc j'ai la décence de penser que quand j'essaye des nouveaux sketchs, je le fais dans des petits endroits qui sont des petits trésors et en l'occurrence l'Entrepôt qui est une salle de 200 places, qui est une salle formidable où je reviens régulièrement. Roland McDan, j'ai envie de vous poser une dernière. Pardon? Qui est à Mulhouse, hein. Pardon, la salle de l'Entrepôt. Parfait. Roland McDan, j'ai envie de vous poser une dernière question. Vous faites partie de ces rares acteurs qu'on a conditionné d'abord dans un emploi, dans quelque chose, dans une image bien précise, et qui a réussi à casser cette image-là. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez à dire aux acteurs? Est-ce que vous encouragez à s'enfoncer dans un emploi bien précis ou à essayer d'être le plus différent possible? De toute façon, ils n'ont pas à s'encourager. On n'a pas à les encourager à aller dans une direction bien précise parce que malheureusement, le succès va venir avec, je dirais, une direction, avec une couleur. Ça va être le rouge pour quelqu'un, pour un autre, ça va être le bleu. Et après, bien entendu, là, tu vas te taper du rouge pendant 5 ans, tu vas te taper du bleu pendant 5 ans, et à la limite, c'est bien. C'est bien, comme ça, si on sait que ce sont des métiers difficiles, pour en vivre, c'est dur. Donc quand tu peux vivre, ne serait-ce que vivre de ton métier, en faisant que du rouge ou du bleu, bon, c'est déjà pas mal. Bon, alors après, une fois que les comptes en banque sont un peu, qu'on se sent un peu mieux, c'est là où le gros boulot commence. Et comme je dis, travailler quand on n'a pas d'argent, bon, c'est déjà emmerdant, mais travailler quand on a de l'argent, à la limite, c'est encore pire. Après, et c'est là qu'il faut travailler. C'est là quand on te propose du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, et au bout de quelques années, il faut dire gentiment, non, là, j'aimerais un peu faire du bleu. Le problème, c'est que quand tu dis je vais faire du bleu, moi, je suis revenu des États-Unis, puis j'ai dit non, non, je veux pas faire de film comique, je veux pas faire de comédie. Les mecs ils m'ont regardé en disant Magdan il est cinglé quoi, c'est-à-dire c'est un malade. Donc il a fallu pendant des années, il y a une année quasiment où quand je disais non je vais faire du bleu, les mecs disaient oui d'accord, oui, bon, on vous appellera, merci, au revoir. Donc il y a un moment donné, puis après il y a la chance des rencontres. J'ai rencontré un réalisateur qui s'appelait Jacques Malaterre, qui lui a été un petit peu plus intelligent que les autres, et d'un coup il a dit merde putain, c'est vrai, il pourrait faire des rôles dramatiques, Magdan. Allez hop, et il m'a donné une petite chance dans un petit rôle. Mais là, il faut manger son pain noir. C'est-à-dire que même quand tu es connu pour faire du rouge, quand on va te donner du bleu, il faut savoir si tu fais un film de rouge, on va te donner 20 jours de tournage. Mais si c'est du bleu, on va t'en donner deux parce qu'on va pas te faire confiance. Donc c'est un tout petit rôle. Donc là, il faut avoir, faut avoir les couilles pour prendre ces 2 jours et puis mettre sa fierté un peu dans sa poche et se dire je vais faire ces 2 jours. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, 2-3 ans. Puis au bout de 2-3 ans, y a aussi la chance, hein. Mais la chance, est-ce que c'est nous qui la provoquons ou pas? Il y a eu un film qui s'appelait Une sirène dans la nuit, qui a été proposé par les Belges, et curieusement, ce film, c'était un premier rôle dramatique, mais France 2, la chaîne, n'en a pas voulu. Ils ne voulaient pas Roland McDan, il a fallu que les Belges insistent, et comme les Belges mettaient le pognon, Roland McDan... Et je dois dire que même les gens de France 2 qui à l'époque ne me voulaient pas, quand le film est passé, ils ont dit on a fait une erreur, effectivement, on s'excuse, on aurait dû vous faire confiance. Donc je veux dire, ils ont été très fair play. Et en même temps,
Là, j'ai pris mon galon, entre guillemets, d'acteur dramatique. Alors là, il y a un autre passage qui est assez intéressant, c'est où on te dit, oh là là, oh mais alors, pour un acteur comique, faire du drame, alors là, vraiment, vous êtes formidable. Bon, c'est bien, mais tant qu'on le remarque, à la limite, c'est pas bon, quoi. Et puis là, ce qui est intéressant, là, depuis 2 ans, c'est que je fasse du comique ou que je fasse du dramatique, personne ne le remarque, quoi. Enfin, personne ne le remarque. À partir du moment où c'est un film, les gens disent, ah bah tiens, on a vu un bon film, mais on n'en fait plus tout un plat, un fromage, quoi, comme on dit. Donc là, c'est intéressant, ça permet d'avancer. Mais quand j'entends les acteurs dire quelquefois, oui, c'est très difficile en France de sortir d'un schéma, de sortir d'un carcan, de sortir d'une image, il faut simplement le vouloir, mais le vouloir méchamment, quoi. Parce que c'est pas le vouloir pendant 6 mois, quoi. Faut le vouloir pendant 2 ans, 3 ans, à tirer les couilles et dire, non, là, je ferai pas de comédie. Je n'ai pas fait de comédie pendant 5 ans. Pour un mec qui fait du one-man show, c'est énorme. C'est-à-dire que des comédies, on m'en proposait 10 par an. Quand 10 fois par an, tu dis non, je veux pas, au bout de 5 ans, et puis que ça avance pas de l'autre côté, à un moment donné, tu te dis, est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction, quoi. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que maintenant que le côté dramatique est passé, alors on a une série sur France 2, Le Tuteur, là, par exemple, on en fait 4 par an, alors là, c'est vraiment des sujets lourds, bah, ça me permet maintenant de faire une comédie, comme Mise en bouteille au château, avec Rinaldi et Creton. Mais il faut s'accrocher, quoi. Mais je pense que c'est un métier où il faut s'accrocher, de toute façon. Parce que quand on dit aux jeunes, ouais, ça va être dur, les mecs s'imaginent toujours, ça va être dur, pour réussir, ça va être dur. Et curieusement, pour réussir, c'est déjà costaud, c'est déjà dur, mais c'est après que ça se complique. Parce que je me souviens toujours, j'ai parce que bon, quand tu réussis, j'ai réussi dans les années 80, puis finalement j'étais en cours au cours Simon, moi, avec des acteurs qui avaient peut-être au bout de 2-3 ans, qui avaient moins réussi que moi. Donc j'ai rencontré un jour qui était un bon copain qui me dit « Ah ouais, mais toi ça va, maintenant t'es connu, t'as plus de problèmes. » C'est là que les problèmes commencent. Parce que quand on propose 5 films, il faut choisir le bon. Alors là, c'est déjà... Et le bon, bah, c'est peut-être forcément... c'est peut-être pas celui qui te donne forcément le plus d'argent, etc., etc., quoi. Donc c'est pas dur juste pour réussir. C'est dur pour faire une carrière, mais je crois que c'est dans tous les métiers pareil. Hein. Je veux pas mettre non plus, parce que l'acteur en avant, c'est un mec qui fait des, qui est sculpteur, c'est la même chose. Les artistes en règle générale, c'est difficile. Voilà quoi. Et puis tu vois plein d'artistes, je sais pas, on fait César qui faisait des compressions. Bon, ben lui aussi, il a eu une image. Il a fallu qu'il en sorte des compressions. Je sais d'ailleurs pas s'il en est vraiment sorti. Je connais pas assez, mais malheureusement, on est tous comme ça. Et puis, il y a aussi un truc qui est assez intéressant, c'est que quand tu fais du drame, les mecs ils te disent, alors quand est-ce que vous refaites une prochaine comédie? Et quand tu fais de la comédie, ils disent, alors vous faites plus de drame? Je crois qu'il faut laisser faire aussi les choses, et puis voilà quoi. Là, bah Roland McDan, merci beaucoup. J'ai eu l'impression de donner des cours, j'ai horreur de ça. Mais en même temps, j'aime beaucoup tous les jeunes, les mecs qui se disent ah, je veux être acteur, je veux être actrice. Je trouve que c'est, allez-y les mecs, c'est un métier magnifique. Donc c'est pas qu'un métier d'humilité, c'est aussi un métier de prétention. Ah ouais, sûrement. Non, mais moi j'ai les deux volets. Enfin, comme tout le monde d'ailleurs. C'est-à-dire que quand j'écris, je suis très humble, parce que quand je me relis, putain, je vois vachement les failles. Mais quand je monte sur scène, c'est pour ça que je dis aux auteurs, par exemple, coupez maximum quand vous sentez un truc qui vous êtes pas sûr. Putain, enlevez-le. Quand tu montes sur scène, faut que tu montes comme un cador, quoi. T'es le roi du monde. Faut pas montrer tes faiblesses. On en a tous des faiblesses. Ce qu'il faut, c'est pas les montrer sur scène. Mais c'est sûr qu'à l'écriture, on en a tous. En répétition, on en a tous. Et c'est pour ça que j'adore l'improvisation. Parce que l'improvisation, remarquez bien un truc, c'est vraiment la caricature de notre métier. C'est-à-dire, dans une impro, tu vas faire 2 impros. Dans une impro, tu vas être génial. Quand tu vois les mecs, les cadors de l'impro, tu vois, le mec, tu te dis, putain, le mec, il est surréaliste, quoi. Il a atteint, il a frisé, il y a Dieu avec lui, quoi. Et puis le même mec, un quart d'heure après, il va faire une impro, et il va être une grosse merde, quoi. Ça va être un gros tas. Et en fait, c'est notre métier, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est en haut, on n'est jamais des génies, mais quand on est en bas, on n'est pas des nuls non plus. Donc c'est juste l'avantage qu'on a, nous, les artistes. Alors il faut en profiter. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Je suis sûr que les internautes ont apprécié. Merci beaucoup, Roland McDan. Merci. Merci.